Je pense que nous ne pouvons pas espérer la chose. Si tu veux marcher, tu devras de faire le premier pas. Au début, avant quelque chose, j'aime beaucoup d'apprendre d'autres langues. Mais quand je commençais pour travailler dans une entreprise française, je choisis pour étudier le français. Donc, j'ai commencé à faire une école traditionnelle à Rio. J'ai essayé d'apprendre le français pendant 2 ans. Malheureusement, je ne réussis pas. Puis, j'ai essayé d'étudier seul. Et puis, j'ai étudié avec une professeure particulière. À cause du travail, j'ai besoin de finir les cours particuliers et je simplement n'étudiais pas. Mon rythme de vie est très rapide et folle parce que mon mari a mort d'un cancer et dans laquelle époque notre fille a 4 ans. C'est la pire chose qui m'est passée. Parce que j'ai besoin de travailler pour que je suive ma famille. Et j'ai souffri beaucoup pour ça. Tout est mère, comme moi. Et tu sais que notre fille sont les choses plus importantes dans la vie. Et pour moi, c'est la meilleure chose d'être mère, avoir beaucoup de difficultés malgré la mort de mon mari. Mais si je pouvoir choisir, je veux choisir la même vie, la même chose, le même mari, la même chose. Pendant que j'ai trouvé les choses, les mêmes matériels de français, j'ai trouvé un cahier d'André, mon mari, et il a été étudier le français en secret. Je pense qu'il a fait une surprise pour moi. Et j'ai appris que c'est un signal. Un signe. C'était un signe. Un signe pour. Non, c'est ça. C'est la bonne réponse d'André pour moi. Je vais recommencer à étudier les français. Tout d'abord, ton histoire, je ne connaissais pas cette histoire et j'avais la chair de poule, la chair de poule, quand tu racontais, parce que je pense que c'est une sagesse énorme que tu puisses prendre quelque chose de très dur dans la vie, comme la mort de quelqu'un qui est tellement important pour toi, et transformer ça en force d'action. Est-ce que tu serais capable de parler comme tu parles maintenant avec moi en français? Non. Je me rappelle que j'ai su parler sur le mot « je m'appelle Flavia » et là, la phrase avec vous « je ne parle pas le français ». Oh! Ah! Seulement ça. Et dans quel moment, je pensais « mon Dieu, quel type de course que je suis en train de faire, je ne peux pas parler ». Et j'ai choisi de recommencer à étudier les français. J'ai cherché dans mes choses et j'ai trouvé une note sur les programmes d'Avec Elisa. Et je me suis inscrite dans les programmes d'Avec Elisa. Et je peux dire que toutes les choses que je pensais qui a été difficile pour moi pour apprendre dans le français a été très claire, très simple. Pour 6 mois, je suis ici, je suis en train de parler en français, je peux comprendre. Pour moi, c'est incroyable être ici avec Elisa et je suis en train de parler en français. Le programme d'Avec Elisa, c'est incroyable. C'est pas un lieu comme les cours dans une école traditionnelle que tu devoir d'être pour 2 heures. Écouter beaucoup d'informations, beaucoup de grammaire dans les programmes avec Elisa, c'est très agréable. J'aime étudier le français. Bien sûr qu'il a été un moment que je me suis dit non, c'est pas moi,
Je vais finir comme ça, mais je pense que personne n'est victime de la vie. J'ai eu beaucoup de raisons pour finir, pour seulement travailler dans une entreprise, pour faire mon travail. Mais non, dans la vie, nous devons de continuer. Je suis heureuse. Pourquoi pas? Je suis heureuse, oui. Et je veux étudier, je veux apprendre le français, je veux parler. Pourquoi pas voyager en France? Comme on dit en portugais, je suis culturada en français. Et je suis en train d'apprendre la culture des Français, il est fantastique. Quand j'ai commencé le programme avec Elisa, je me suis inscrite à un autre cours de français. Et à la même temps, je peux faire la comparaison entre les programmes avec Elisa et les autres cours. Et je peux voir la différence entre les cours. Et je pense que dans le deuxième mois, je peux voir que ton cours est sérieux. Mm-hmm. C'est vrai. Et bien sûr que je connais les autres cours. Et j'étais sous la main dans le programme d'avec Elisa. C'est incroyable. Je ne sais pas comment tu as pensé les méthodes de ton cours, mais c'est parfait. Je parle avec moi-même, je parle avec le port, avec les mobiles. J'ai fait toutes les astuces que les cours donnaient à nous. Par exemple, écrire sur les jours, sur la journée. Et je recorde ma voix, j'ai écouté les gravations. Je pense que nous ne pouvons pas espérer la chose. Si tu veux marcher, tu dois de faire le premier pas. Tu donnes à moi plus qu'un cours de français. Je me rends autonome, je me rends forte, la joie, le bonheur, la certitude que si je veux, je peux et je veux faire toutes les choses que je veux. Je te remercie beaucoup, beaucoup à toi et à ton équipe, bien sûr. Aujourd'hui, tu es part de notre histoire, l'histoire de ma famille. Et eu sei te dizer, cara, é uma felicidade, é um empoderamento. É muito gratificante eu saber que eu consegui, que eu estou fazendo cursos em francês na minha empresa, eu vou ter uma entrevista com o diretor, e eu vou falar com ele, é o meu novo chefe, eu vou falar com ele em francês. Te agradeço muito por essa sede de conhecimento e essa percepção de que estar em movimento é o que vai fazer toda a diferença. Esse, Flávia, é só o começo, isso é justo o début de ta transformação.